un peu de vent. Poisson. Oh. On est en train de prendre le courant. Voilà. J'ai pris une bonne attaque. Lancé le long du caillou. Une animation. Et boum! Un poisson correct. Avec la truite, c'est jamais gagné. Jusqu'au bord, on peut la décrocher. Voilà! Ouh! Bon. Eh ben... Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est parti pêcher la truite. Poisson nageur, leurre souple, on va varier. Là, on a 4 heures de pêche. La tempête s'annonce. Cet après-midi, là, à midi. Donc, on fait vraiment le coup du matin pour décider quelques poissons. Et bah, on va voir ce que ça donne. Et là, on a un premier poisson pris au poisson nageur. Voilà, hop. Petit poisson nageur en 5 cm. Oh, poisson! Oh, elle est grosse celle-là, elle est plus jolie. Elle m'a pris dans le contre-courant, j'ai lancé dans le courant et j'ai ramené mon leurre dans le contre-courant avec des toutes petites animations. Elle est aussi jolie que l'autre, elle a même une plus grosse attaque. Ah, le matin, c'est vraiment des coups à des moments à privilégier. Hop là! Elle est un petit peu plus jolie. On va la laisser dans l'eau. Voilà. On va ramener la canne. Parce qu'elle s'en va. Attention qu'il bouge. Hop. Non, j'attends pas, non. Yes. Hop. Ah, c'est une journée qui commence bien. On n'a pas beaucoup de temps. Les poissons tôt le matin comme ça sont bien sortis. Donc c'est vraiment le moment à privilégier. Poisson nageur, on envoie des flashs lumineux là. J'ai pris une version un peu qui flash bien pour que le peu de luminosité qu'il y a, ça vraiment ça tranche bien dans le milieu. Et ben on vient de faire deux poissons comme ça d'affilée, ça commence bien. On va continuer pour que tant que l'activité est là, les truites c'est quand même des poissons qui ont des faibles courtes périodes d'activité, donc faut vraiment en profiter. Elles peuvent sortir 10 minutes dans la journée et donc on peut passer facilement à côté. Et là, faut vraiment en profiter. Là, question de sortie, je pense, les pressions aussi
bouge là avec le vent, la tempête qui arrive. Donc ça fait sortir les poissons et c'est pas pour nous déplaire. On va continuer. Alors là, en arrivant dans la stratégie, on a pêché souvent au leurre, on a tendance à vouloir lancer le plus loin possible tout de suite. Moi, ce que je fais, c'est que d'abord en arrivant, j'ai pêché les postes un peu devant moi pour voir si les poissons étaient dans les courants, des choses comme ça là. Et puis même en termes de stratégie, si je prends un poisson directement au loin et que je ramène ma truite, le problème c'est que ça va, si j'ai des poissons disponibles devant, et ben en fin de compte je vais casser leur activité devant, donc je vais essayer de prendre les poissons devant. Si j'y arrive pas, plus ou moins, ben je vais partir plus large, plus loin pour prospecter. Là on a une veine d'eau principale et on a un gros courant là-bas, donc qui alimente bien, c'est vraiment, et je sais qu'il y a un trou en fait, donc les poissons se mettent bien dessus, mais là tôt le matin, les poissons viennent plus sur les radiers, les zones moins profondes, les zones shallow, pour s'alimenter. Et donc la première, je l'ai pris vraiment au bord du grand courant, le long du mur, et dans les murets, dans les cailloux, comme ça, il y a des petites crevettes, ce qu'on appelle des gamards, et elles viennent s'alimenter de ces petites crevettes-là. Donc c'est toujours des bons spots. Et là, bizarrement, je l'ai pris derrière. Et là, la deuxième, dans le contre-courant, vraiment là où il y a moins de jus. Donc je lance dans le courant, j'anime mon leurre, elle n'est pas dans le courant, je ramène mon leurre en orientant ma canne. Ma canne, c'est aussi mon guide pour pouvoir orienter mon leurre, la direction. Et là, j'ai fait rentrer mon leurre dans le contre-courant et en animant tout doucement avec des leurres qui coulent, mais qui coulent légèrement, là, on n'a pas beaucoup d'eau, eh ben, j'ai pris un deuxième poisson. Donc ça, c'est important dans la stratégie à regarder et à analyser. On va relancer dans le courant quand même. Je n'ai pas pris de sacoche de touche là-bas, ça m'étonne un peu parce que c'est souvent des très bons spots. En termes d'animation, je fais très peu de lancers ramenés comme à la cuillère, simplement à lancer et à mouliner. Je vais faire des lancers, j'ai essayé bien sûr de faire des lancers assez précis, là où je pense que les poissons peuvent se localiser. La truite, c'est vraiment l'école de la pêche au leurre. Hein. C'est vraiment, ça aide vraiment à avoir des lancers bien précis. Et je vais donner juste des petits coups de canne. Donc je vais faire vibrer mon leurre va redescendre naturellement. Et je vais le laisser travailler dans le courant. Le leurre immobile, le leurre quand il descend, le leurre continue à pêcher. On anime souvent trop vite à la truite, à vouloir taper comme sur les perches, à vouloir les exciter. Alors ça marche de temps en temps, mais souvent on a la tendance à animer vraiment trop fort les leurres pour les truites. Bon, on va changer de spot. Là, je crois que elles ont vu le leurre passer plusieurs fois, c'est pas la peine d'insister. J'insiste volontairement aux poissons nageurs. Hein. Dès le matin, je pourrais passer au leurre souple, mais le matin, j'aime bien les agresser pour jouer sur leur activité, là. Et quand le soleil, tant que le soleil n'est pas monté, j'insiste aux poissons nageurs. L'eau est très claire, là. Et quand le soleil va monter, je vais plus passer au leurre souple à gratter. Les poissons vont un peu plus se caler. Et là, il va falloir aller chercher plus dans les veines d'eau, dans les contre-courants aussi, là, à bien gratter le fond. Et c'est pour ça que là, volontairement, j'insiste à pêcher plutôt vite, à les agresser pour déclencher les poissons qui sont en activité. Et après, quand l'activité va baisser, on va changer d'approche. Bon, allez, on va changer de coin. Bon, là, on a changé de spot. La luminosité est bien montée. J'ai changé de leurre, passé sur une petite écrevisse. Mais quand même, le ciel est couvert, donc je suis passé sur une écrevisse avec
petit côté jaune fluo en dessous. Il faut que ça reste naturel, mais avec une pointe d'agressivité dans la couleur. Et là, on va pêcher avec une petite tête plombée et une écrevisse, et on va gratter le fond. Les truites en sont gourmandes de cette technique-là. Et on va voir si ça donne comme ça, quoi. Le vent est en train de bien monter, on voit les nuages noirs qui arrivent. J'espère que ça va nous laisser le temps de pêcher quand même un petit peu. Un minimum. Bon, c'est la pêche, hein. C'est les conditions. Le principal, c'est qu'on soit au bord de l'eau. Et là, au moins, on est bien. Elle est plus grosse. Oui, oh, beau poisson pris au leurre souple. On a un joli poisson déjà, tout en longueur. Et la petite écrevisse, tac. Là, j'ai mis une petite colorie flashy. Le temps est bien couvert avec un petit peu de jaune fluo en dessous, naturel au-dessus. Et un magnifique poisson, une grosse truite. Super poisson là, poisson de plus de 40 là, c'est vraiment le gros poisson qu'on était venu chercher. Et voilà, dans une veine d'eau là, j'en avais loupé une juste avant, ici là. Et là, elle m'a mis un bon caramel, elle ramasse bien les leurres souples là sur le fond. C'est top, vraiment top. Allez, on va continuer encore, voir s'il y a d'autres poissons disponibles. Mais c'est déjà une bonne session de pêche. Oh, poisson! Oh, elle m'a pris sur le bord celle-là. Hop là! Ouh! Joli poisson. Joli poisson, un petit lingot d'or qui a avalé l'écrevisse. Magnifique. Un petit lingot d'or. Bon, la pluie est arrivée, le vent aussi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait quelques poissons, c'était cool. Mais là, je crois que il est grand temps de rentrer. Bon, ben j'espère à bientôt pour un nouvel épisode. Et puis nous, on va aller se mettre à l'abri.